avons rapidement parlé de l'importance des reliques au Moyen-Âge et encore maintenant. Peux-tu justement nous éclairer sur l'importance de ces reliques dans les temps anciens et même encore maintenant? Moi, je pense qu'il est judicieux de replacer la relique dans un contexte théologique. En fait, la relique du saint, donc ce sont des ossements d'une personne. Et en fait, la religion, la théologie, catholique précisément, veut quelque chose de concret à toucher, à voir, pour entraîner, pour accompagner la dévotion. Et non, le saint conduit à Dieu avant tout. Donc en fait, c'est avoir quelque chose de concret, de visuel, de palpable, qui permet d'accompagner justement la foi en Dieu. Et notamment à travers ces exemples, les saints, ce sont des exemples, des personnages qui ont marqué l'histoire par leur vie. Et donc on vénère donc leur corps au-delà de la mort. Donc les reliques matérialisant un peu la résurrection en fait. C'est le béaba du christianisme, hein, Christ est ressuscité. Donc on ressuscite à travers le Christ et là à travers là. C'est un peu l'objet en fait de la relique. C'est ce côté concret en fait. Donc on va les sortir, d'où le nom ostension, montrer la relique. Et la relique, c'est pas forcément que le corps. C'est aussi des choses qui ont touché le corps. Voilà, donc des habits, des objets, voilà, et par déclinaison, en fait, tout est relique, en fait, tout ce qui a un lien avec la personne et qu'on va devoir relier spirituellement à Dieu, quoi, en fait. Donc ça, on a du mal à comprendre aujourd'hui parce que nos sociétés sont plutôt sécularisées. Et donc, mais au Moyen-Âge, il faut savoir que tout ça était vraiment prégnant. C'est la relique, c'est le lien entre la terre et le ciel, quoi, en fait. Et d'ailleurs, pendant les croisades, les croisés ramenèrent de Terre Sainte la couronne d'épines du Christ, ou ce qui est supposé, mais après tout, pourquoi pas, ainsi que des morceaux de la vraie croix. Oui. Et le Saint-Sphère qui est à Turin, etc., etc. Et au XIIe siècle, donc c'est l'apogée de la chrétienté, je dirais, en Europe médiévale. Et donc à Limoges, le saint Martial, c'est le saint, c'est le... Donc on va même inventer, jusqu'à inventer une vie de saint Martial, en faire le 13e apôtre du Christ. Donc on n'a même plus de limite au niveau temporel, chronologique, etc. Et donc on en fait ce saint un 13e apôtre qui donne une aura à l'abbaye Saint-Martial. Et donc le but c'est aussi, d'inciter les pèlerinages, qui est aussi intéressant commercialement, quoi, en fait, je dirais. Et donc chaque église est liée à un saint, justement, pour créer un pèlerinage, des dévotions, etc., pour faire fonctionner. Sans les reliques, il n'y a pas d'ostension. Et d'ailleurs, sans les reliques, pas de pèlerinage envers un lieu saint, que ce soit une église, une abbaye. Donc également, pardonnez-moi d'employer de tels mots, mais également des ressources financières. Bien sûr. Car tout pèlerin donne des aumônes. Nous allons... Du coup, dans la prochaine vidéo, nous recentrer sur le Dora. Voilà. Pour justement, maintenant que nous avons vu le contexte, on va pouvoir amorcer le sujet. Très bien. Merci, Michael.